pour faire Schumacher. Il lutte sur bien des fronts pour faire cesser la souffrance du peuple, de la planète qui les abrite. Il ne faut pas oublier que les gilets jaunes, aujourd'hui on fait beaucoup, les gilets jaunes, c'est aussi, c'est surtout des réseaux de solidarité locale qui permettent la distribution d'alimentation et aussi des réseaux. Barbie nous appartient. Nous savons que ce combat sera toujours difficile face au mal qui nous décide. En un an, moi, j'ai appris à connaître le monde. Nous soyons conscients, nous soyons nombreux. C'est pas le obligatoire qui va mettre une barbe, une jambe à bas et tout. On vient de dire ça. Hein? Un jour ou l'autre, on va tous prendre des choses en haut. Et chacun, hop, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de la richesse, il n'y a rien. La richesse, c'est là-haut. Non, mais là on est tous égaux. Et nous allons gagner.
On a accepté ça avec le temps, avec la politique de Charles Pasqua, avec la politique intérieure et extérieure française. Il faut savoir que la France, c'est pas un pays qui est très très... C'est un pays qui a été engagé dans plusieurs guerres. Ouais, le Canada aussi. Mais la France, on a été engagé pas mal dans beaucoup de guerres. Ils ont toutes les compagnies en Afrique. Ouais, pétrolière, de l'or... Les Canadiens... Et tous les profits, ils restent pas en Afrique, hein, ils partent ailleurs. Ils partent ailleurs. Les Canadiens sont au Mali pour l'or. Les Français sont un petit peu partout pour le gaz et l'essence, et l'or aussi. Donc on a des compagnies. La compagnie totale, exactement. Du coup, c'est ça qui est triste, parce que tout l'argent qui sort de l'or, par exemple, il quitte le pays. Exactement. Puis il s'en vient où? Il s'en vient en France, il s'en vient n'importe où. Exactement. Et on a 274 millions d'euros d'évasion fiscale par jour. 274 millions. 274 million euro a day. Is going out from France. They don't pay taxes and fees. So all this money is going out and never come back to pay taxes. So it's like a free money. It represents actually a year, 100 billion euro a year. C'est des cadeaux like faits aux riches, simplement. Yeah. Et puis les gens d'en bas, ils n'en verront jamais la couleur. Exactement. C'est de l'argent qui disparaît. Qui aurait pu construire, rénover des hôpitaux. Ça disparaît comme la classe sociale du milieu. Exactement, madame. Très très bon commentaire. Ça disparaît comme la classe moyenne. Ouais. Et c'est cette classe-là qui a porté la France jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en faisant disparaître cette classe-là qu'on fera disparaître l'esprit français, le partage et justement... La
fraternité, la liberté. Exactement. Alors on est bien encadré, vous voyez, les gendarmes ils sont à côté de nous. On est censé se sentir en sécurité, mais en vrai, on est bien encadré. On est censé se sentir en sécurité, mais c'est pas vrai. Et là, on est quand même encadré. Ça dure que 2-3 heures, ensuite, c'est la. Ouais, alors la moi j'ai pris des coups de. Comment on dit en anglais when you give. When you hit someone with your head. A head hit? Head hit. They gave me already head hit. Je sais pas en anglais. They slapped me. They insulted me. They insulted me, yeah, violently. Vraiment, avec violence. Il dit ça à l'arabe. T'as mal, espèce de sale arabe. Et la police me tapait. La police me frappait. Et j'ai pris des coups de flashball dans le dos. Oh, Seigneur. Oui. Ah, oh, c'était très bien. C'est vraiment des... Moi, je sais même pas comment une personne blessée peut revenir marcher. Ouais. Je sais pas. Je sais pas comment, où la personne trouve la force. Exact. Alors moi, je trouve la force dans mon engagement. Dans mon engagement. Dans ma considération de la lecture du schéma géopolitique stratégique de tous les peuples du monde, parce que j'ai fait 25 pays dans ma vie. J'ai eu l'opportunité de voir le Sri Lanka, l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie, la Thaïlande, la Chine, le Japon, le Liban, l'Égypte. J'ai vu beaucoup de pays du Sud et j'ai comparé avec la vie qu'on vit ici en France. Nous vivons une vie confortable, nous vivons une vie aisée, nous avons de la pratique, nous avons du confort, nous avons de l'épanouissement, de la joie, des couvertures sociales. Et dans tous les autres pays que j'ai fait, il n'y avait pas ça. Et en revenant, je me suis dit, il faut défendre le système français, car si en défendant le système français, on donne peut-être l'opportunité, tiens, on va passer par là, tu auras un peu plus d'images, on donne peut-être l'opportunité de sauver les pays du Sud. En sauvant les pays du Nord, on sauvera peut-être les pays du Sud. Et en laissant les pays du Nord aux mains des lobbies et des grands budgets d'investissement spéculateurs et tout ça, et bah, on perdra les pays du Nord, et en perdant les pays du Nord, on abandonnera les pays du Sud à leur propre sort. Ça va être compliqué. Je cherche chez moi, et pas de la peau, au lieu de prendre, aucun que cherche chez moi.
vacances. Uniquement parce que dans une semaine c'est l'anniversaire et donc ce qu'on espère bien évidemment c'est que ça va monter en puissance jusqu'au 5 décembre, où là le 5 décembre c'est une grève nationale avec les syndicats et moi je suis partisan de tous les gens qui sont mécontents faits dans la rue, donc j'espère qu'ils seront bons et c'est pour ça qu'à partir de maintenant ça monte en puissance. On va être là. À côté, beaucoup contrôle et bon, ils m'ont laissé partir avec. Alors, on m'a juste engueulé en disant tu peux pas arrêter pour venir regarder avec ça. C'est bien, c'est bon, mais j'ai fini d'essayer pour voir que ça peut faire. J'ai toujours. Par rapport à ce qu'on est parti, quoi, professionnel.